Merci Seigneur, Père Céleste, dit d'amour. Nous disons merci pour tout ce qu'on fait pour nous et ça, je sais qu'on va continuer à faire. Père, nous remercions pour tout ce qu'on fait dans la vie, nous. Et nous remercions aussi pour journée ça, au bénéfice du passé, sous protection divine, nous. Et pour nous capables de vivre dans l'essai, Seigneur. Père, nous disons merci. Nous parlons langage pour nous t'employer, pour nous remercier. Pour bien faire ou faire nous passer une semaine bienveillée, ou une semaine sans danger, sans malaise, sans accident. Et nous commençons une nouvelle semaine, on a dit ça dans le quatrième jour, dans la semaine-là. Nous disons merci, vous protégez nous, gardez nous contre tous les abris, contre tous les assauts du diable. Père, nous disons merci. Si vous avez pris pour nous dire merci, nous ne sommes pas capables de dire merci parce que nous ne sommes pas bien. Langage, nous pas gagné temps pour nous remercier, même si nous avons 10 000 années, pour nous dire merci pour bien faire. Nous n'avons pas de suffis, mais comme on dit à travers la parole, par exemple, il est finable, ça qui nous tenu. C'est Seigneur, c'est ça qui fait à soi, nous bénissons, c'est ça qui fait à soi, nous glorifier. Ton nom, nous remettons la main, nous l'avons mis la main, nous fermons, nous demandons pardon. Nous connaissons Seigneur Jésus, nous sommes capables de penser, nous sommes engagés, nous sommes comportement, nous sommes en façon d'agir, nous sommes des débats à ce moment-là pour nous demander au pardon, nous demander tant pis, fais-nous grâce, pardonnez péchés, nous pardonnez l'iniquité, nous Seigneur. Oh, c'est vous-même seul qui vient pouvoir pour pardonner nous, c'est vous-même seul Jésus qui est capable de faire nos grâces. Et nous disons merci pour le grand sacrifice, ça a fait pour nous au calvaire, où tu as accepté de faire nous joindre faveur, où tu as accepté de faire nous joindre grâce, c'est parce qu'on te remet nous, c'est parce qu'on remet nous qu'il faut te venir mourir pour nous à la croix, ou par la vie, ou pour nous-mêmes, pour nous être capables de vivre. Et nous disons merci, Père, de ce qu'on a vécu aujourd'hui. On nous dit que ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, mais c'est nous-mêmes qui vivons dans nous. Père, c'est ça que fait, nous coupons bien bas à ce réel, nous demandons, Père, tout ça qu'on est nous-mêmes. On peut mettre dans plein la vie, nous qui dans nous-mêmes, qu'on est là. Et tout ça qui n'est pas bon, qui dans nous, qu'on est là, nous demandons, cher Père, déraciner, jeter dans la vie, qui réserve à nous-mêmes, afin que nous soyons capables de vivre et pour nous servir. Père, mais moment, c'est ça, nous devons dévoiler, nous devons chercher à Jésus. On va prendre pour la soupe dans ce service-là, on va donc dire que nous sommes capables de Saint-Esprit, capables d'enseigner nous, capables de Saint-Esprit, capables de conduire nous à ce réel. Nous connaissons Seigneur, sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien, et vous dire à travers les paroles, sans nous, nous ne sommes pas capables de faire rien. C'est parce que nous connaissons insuffisamment, c'est parce que nous ne connaissons pas bon, nous ne sommes pas capables, nous sommes incapables pour nous faire bon, bon bagaille, malgré où tu crées nous, pour nous pratiquer les choses bonnes. Mais mauvais, au coup des routes, nous détourner des routes là, nous échapper des instructions, nous
nous quitter autre cour et ben nous pour pratiquer bonne chose hein. Nous fait ça qui pas bon, nous connaissons Satan le diable qui fait nous archimal, qui fait nous fait tout ça qui pas bon. Mais à ce soir après nous reconnaître tout ça ou nous reconnaître qu'il papier qui fait nous nous couper nous devons à ce soir pour nous retrouver place tout pour nous demander tant pis avec nous aider nous au compte faiblesse chacun de nous mêmes nous tout merci encore une fois pour le moment ça a coopéré qui réussit à ce soir et nous réveiller chacun de nous dans la présence de vous spécialement nous les révérends parce que nous-mêmes nous rebaptisons avec famille Seigneur nous bénissons pour lui nous exaltons nous glorifions nous rebaptisons à ce soir après on va utiliser nous va servir avec lui comme un instrument pour parole capable de parler pour parole capable de sortir Seigneur nous connaissons Père parole capable sorti à travers les phrases, c'est au même Père qui est capable de parler en dedans des livres et tout ça qu'il va dire de la, pour la gloire de ton nom et l'édification de ton Père pour Seigneur. Papa, nous l'a dit, mon amour, nous l'a dit, Seigneur Jésus. Puis maintenant, nous sommes capables d'être attentifs hein, pour nous capables de comprendre ce que l'Esprit a dit à l'Église. Nous l'a dit, le serviteur, non, mon Père, on va barricader le pas devant. On va repousser toute attaque Elmia, parce que Elmia est toujours près de lui, Seigneur, pour nous infiltrer, pour planter plantes partout. Mais nous avons assurer que plantes pour seulement, et qui est capable de planter, parce que c'est plantes pour la Seigneur qui est capable de nous faire, c'est plantes, Seigneur, qui est capable de nous faire, pour nous capable de suivre, Seigneur, dans le monde, ça, Seigneur. Papa, nous la gueule dans le monde, on va servir avec elle encore une fois. Nous les révérends et évangélistes du en éternel, nous bénissons pour lui, nous exaltons et nous levons la famille à soi, dans le pays français. Et nous disons merci pour lui, Seigneur, pour le Père, nous sommes capables de vivre ensemble à travers les états, par filière des évangélistes du Val, nous sommes capables de rejoindre et place à moment ça pour nous être capables d'étudier la parole ensemble qui permettent nous capables de développer une plus bonne relation, qui permettent nous comprendre parole la plus bien et nous disons merci. Nous bénissons, nous exaltons, nous mettons dans le monde, nous demandons encore Père, on va servir à elle comme un instrument, comme naturellement nous toujours utiliser les microphones pour voir nous capables de sortir. C'est comme ça à souhait à peine, nous demandons, cher Seigneur Jésus, on va servir à elle, on va utiliser pour que vraiment capable de sortir. Papa, on va bénir le moment, on va bénir nous. Et nous lever chaque monde dans la présence du Seigneur, nous lever nous, nous lever frère, nous lever. Maintenant, on va pas, on va avec nous, on va instruire à soi à Seigneur, puis mettre tout ça qui on va question qui va poser, mais on va poser pour la gloire et l'édification de chacun de nous-mêmes, Seigneur. Nous l'a dit au nom, et c'est nous au nom, Seigneur, nous disons merci aussi d'être à travers de nous-mêmes, nous sommes capables de réussir. Si on va compter, Seigneur, nous capter un service et qui paraît grandiose, mais à cause de l'essentiel, à cause d'enthousiasme, à cause de mouvement, on était là nous-mêmes, on peut permettre aux capables de joindre avec nous à ce soir pour nous utiliser la parole. Et nous demandons au Père, bénis-moi pour nous, pour permettre de passer nos moments bénis et nos moments bénis, afin que Jésus, pour chaque salle qui montait, pour être capable de sentir, et en tant qu'il a brillé, il y a vibré des lumières qui va jaillir à ce soir. Papa, nous remettons nos mains, nous l'aguons nos mains, servir avec nous, Seigneur, nous remettons chacun de nous. Oh, Seigneur, chaque serviteur qui est toujours avec nous, qui est serviteur Pierre, Joseph, nous remettons à mon Père, on va toujours avec le Seigneur, étant d'autres frères Cyrus, frère Daniel, étant d'autres frères, nous remettons à mon cher Seigneur, nous demandons au Père, on va avec nous, permettons, Seigneur, nous va lutter en amour, nous permettons capables de lutter ensemble pour que nous soyons capables de glorifier. Ben nous disons merci pour grâce. Nous disons merci d'être Seigneur pour avec nous. Les moments va bénir. On va bénir le moment pour nous. On va permettre nous passer nos moments bénis et glorieux. Fais ça pour nous, Père. Au nom de Jésus qui vive et qui règne. Au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. 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 On le fait encore. Nous avons dit Seigneur, Seigneur, faites une action pour nous à la gloire de Dieu. Amen, amen, merci Seigneur, merci Jésus. Nous disons Dieu merci pour grâce, amour et miséricorde de gagner envers nous. Nous bénissons le Seigneur du fait que nous sommes capables de rejoindre à soi sur 100 ans d'évangélisation pour nous capables d'écouter la parole ensemble et nous profiter de l'occasion. Nous saluons chaque bien-aimé frère, nous saluons
Et c'est nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous avons pris un peu le temps de demander est-ce qu'il y a un monde qui se sent là avec nous pour la première fois. Si c'est pour la première fois qu'il est là, on va identifier un mot, on va dire un nom, on va dire dans qui se détruire ou bien dans qui se renouer et qui peut moyen qu'on joigne nous. Et maintenant, nous faisons place à vous-même qui est avec nous pour la première fois. Merci Seigneur. Bon, nous disons Dieu merci pour grâce lui, amour, nous pas bien visité, nous sommes capables de dire tout le monde qui est déjà là, qui vient chez qui joint nous, c'est le monde qui est plutôt habitué avec nous. Et nous souhaitons vous va passer un bon moment ensemble avec nous. Et nous avons appelé vous, nous avons changé, c'est dans l'étude qui est venue, accompagné à voir, il y a une Bible, un crayon, un cahier. Et pour capable prendre note dans les études qui sont faites à Soya. Nous, c'est la finalité encore une fois. Nous demandons que vous va passer un bon moment avec nous dans le Seigneur. Que grâce de Dieu avec vous et nous retournons à vos paternes. Que Jésus-Christ bénisse nous. Merci beaucoup, Frère Justin. Et nous tenons notre place avec l'Évangile Duval à la gloire de Dieu. Amen, amen. Nous saluons nous dans notre Seigneur. Jeudi à ce mercredi 14 septembre. Un bel mercredi. Côté l'école ouvert gratuitement depuis lundi. Et nous voyons comment que Anéa. Ça s'est accouru. Nous sommes contents. Et comme nous disons, le mois de septembre, il était fait un paquet de bonnes disciples, tels que Pasteur et Joseph, Jacques Valcon, y compris les autres. Nous disons bonne fête. Que mon Dieu baille au plus année. Que mon Dieu qui aime dans l'évangile là. Jeudi, on a continué avec l'étude nous. Que nous avons depuis quelques temps, nous déclarer en permanence. Nous sommes capables de faire une formation spirituelle, en même temps technique, pour le groupe disciples. Capable à jouer au rôle dans la réalité le 17 septembre, la chaîne d'âme pour mon Dieu. Non, ça nous entend pas la grande commission ou bien évaluation, le rôle de l'Église, nous étant disciples. Et c'est ça qui fait que, ouais, tout sujet. Que nous avons étudié ni en terre ni en l'est, ça veut dire ni dans le jeune, non, ni dans le réseau, nous tout est, nous sommes capables de canaliser vers un seul thème, évangélisation. Que c'était cet esprit nous a parlé, la présence de cet esprit dans la vie de chaque croyant, l'importance de la grande commission ou bien de l'évangélisation, on va lui jouer responsabilité nous et nous te voir qui rôle qui importance l'amour gagné lorsque nous mêmes nous pas chercher un homme qui enchaîné ta ennemi et nous te voir dernier sujet que nous débattons avant de passer. Lorsque nous vivons dans la rue, ou bien n'importe comment, n'importe côté, nous vivons. Son seul sujet pour nous parler, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ou bien le retour de Jésus-Christ. Et nous, le sujet, ça, nous tout est parlé en long et en large et la même. Et son sujet, nous ne pouvons jamais qu'à finir de parler. L'évangile qui englobait ou bien qui n'a pas de qui enveloppé ou bien qui gagne sens de
qui marchait à la grande commission. Nous avons fait à ce là, nous ne parlons pas de nos sujets que nous prenons à la légère dans l'église. C'est ça, nous entendons le ministère de la réconciliation. Nous avons parlé du ministère de la réconciliation. Le vrai passage de Jésus-Christ sur cette terre, c'était réconcilier nous-mêmes avec papa. Malgré ce papa qui est entré dans la rébellion avec nous, c'est nous-mêmes qui sommes entrés dans la rébellion avec papa à travers Adam et Ève à cause de la maintenant, il y a une coupure, il y a une séparation entre nous-mêmes avec bon Dieu. Et c'est à partir de là où un débat l'unique petit qu'il y a pour être capable de récupérer ou pour être capable de sauver l'humanité. Et ça a été fait, devenu à travers la mort de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec bon Dieu. Et à cela, nous parlons montrer nous-mêmes qui est réconcilié avec Jésus-Christ, de tout confier au le ministère de la réconciliation. On a évolué un rôle ambassadeur. Un ambassadeur, comme nous tout dit, c'est un représentant d'un président dans notre pays. Nous-mêmes, nous sommes représentants de Jésus-Christ en tant que le royaume céleste, nous-mêmes, nous sommes représentants de sous terre. Nous là pour réconcilier, nous là pour parler des bagailles qui pour faire peuple côté ou chita comme ambassadeur pour capable faire confiance dans le pays que vous là, que c'est le royaume dans le royaume. Le ministère de la réconciliation n'est pas travail ni pasteur Oulin, ni pasteur Lénoir, ni bishop Armand, ni frère Duval, ni frère Josset. Il se travaille nous tous qui plongent dans l'eau baptême, qui mourit à Jésus-Christ, qui levé avec nous. Nous, chaque, nous sommes ministres de la réconciliation. Nous, chaque responsabilité, nous, c'est réconcilier le monde. Il y a une théologie qui écrit qu'il doit réconcilier pour réconcilier. Réconcilier pour réconcilier. Ou réconcilier avec mon Dieu pour réconcilier le monde avec mon Dieu. À travers le témoignage, à travers le comportement, à travers de l'évangile, à travers le. On a fait de façon où utiliser, ok, et c'est ça que Charles de Tampal et je dis là, on a une responsabilité pour réconcilier l'homme avec mon Dieu, fogon l'étoile, non, comme on dirait, dans le couronne, parce que y a un soldat qui est dans la guerre, il va me dire qu'on a tué, et il a flou, mais c'est pour l'être, je l'ai écarté sur le champ d'abat. Parce qu'il n'y a pas de faux cadeau. Mais ou même tout étant serviteur monde ou pas faire ni un cadeau. C'est-à-dire que le ministère là, il faut remplir avec fracas, avec force. Et même là, on chasse un démon pour dire allez, la foi grimace. Mais avec puissance qu'on guerre, ou frappe le bureau, on dit on a des Jésus, ça me saute. Alors, on a des Jésus. Il va me garder même, garde au chat. Le chat là, allez, il va me garder même. Quoi, allez, il est sauté. La différence là, en nous, pour affronter les circonstances, avant de nous sortir le 17 septembre, pour nous poser des questions, qui est moi dans le ministère ça? Parce que on est, que mon Dieu bénit. Merci beaucoup, Evangélie Duval. La paix, mon Dieu, avec nous. Amen. Et nous saluer tout à Frémélo avec Frémélo dans le nom précieux de Jésus. Et nous dire à ceux encore, c'est une grâce et son privilège
nous capables ensemble. Et je vous ai dit qu'il est prédit qui c'est 14 septembre de l'année 2022. Nous disons, je merci, nous allons les gloire, nous faisons louange pour lui. Et lui-même qui permet, hein, nous capables de passer encore, nous capables là. Nous, et nous disons merci pour chaque monde qui l'a assuré et qui vient en brancher sur l'étude là. Et nous saluons aussi les fidèles auditeurs, auditrices, radio disciples et les amis internautes. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Et à cela, nous disons c'est toujours un plaisir pour nous. Qu'on est, et du coup, c'est un plaisir pour nous tous parce qu'il est toujours là. C'est un plaisir pour nous. Chaque mercredi, nous laissons ça. Et pour nous venir chita, nous mettons nos pas dans la ligne pour nous capables d'étudier, pour nous capables de chercher à connaître qui ça essaie de faire. Et bien, à ce comme déjà annoncé, et si j'aime, c'est toujours l'évangélisation. Oui, c'est toujours l'évangélisation. Et comme l'évangéliste dit, et qui sont vraiment des choses qui sont importantes, des importants, capables de même nécessaires, qui les ciel et qui tiennent en main. Mais en ces derniers temps, nous avons tendance à négliger les choses. C'est ça que fait et nous décréter ça nous arrêter une permanence pour nous sensibiliser au même hein, qui appartient à groupe disciples et pour même tout pour capable à sensibiliser. C'est vrai pour qu'on sensibiliser l'autre monde parce que pour faire connaître qui veut dire qu'il y a un travail pour eux. Ils ont un travail dans mes yeux, qui veut dire qu'il y a une mission dans mes yeux. C'est vrai. Et que ça nous est la grande commission, et c'est vrai, la missiologie. Ça veut dire qu'il y a un travail pour faire. C'est vrai. Mais on a continué à se assiger, c'est la réconciliation. La réconciliation. Et nous avons mis à se assiger pour même ou bien chita dans le sujet, ça vous comprenez bien. Nous avons avoir parce que, et c'est ça qui fait que nous avons une négligence, il y a des choses qui nous ont fait comprendre bien. Mais nous avons. Parce que nous comprenons bien. Et ma profite pour nous, le travail ça est en affaire. Ce n'est pas au travail pour un petit bout de temps que nous. Même là, nous gagnons, d'accord, le 17 septembre pour nous prendre la RIA. Ça veut dire mission ça. Et comme nous lit à travers des apôtres, le livre et des actes des apôtres, ça veut dire nous montrer son bagage constant. Mission que les chrétiens ont gagné pour lui annoncer l'évangile, pour lui témoigner Jésus, pour lui et pour l'autre qui veut dire qui est dans les ténèbres, qui est capable de passer, qui veut dire dans la lumière. Ouais, c'est un bagage constant. Ce n'est pas un bagage un petit bout de temps. Mais après, on sait maintenant que l'Église a parlé de mission. Vous faites 2-3 jours et après vous attendez mon encore. C'est comme si toute bagarre tombait à l'eau. Mais c'est dans le but ça n'a pas continué le travail, même là, on va aborder l'autre sujet avec vous, mais nous pas quitter tomber. Ça nous a relé qui veut dire mission ça. Et ça évangélisation. On va toujours encourager. Et puis, ou même pour prendre la RIA, non seulement prendre la RIA, mais chaque côté au passé, et pour connaître aussi, ou là pour annoncer et
et pour annoncer l'évangile, chaque côté passé. Eh bien, et sans plus tarder, bien que nous sommes dans l'évangéliste lui-même, ils font belle rallye, de même au même tour, poser aux questions, et questions d'un poser, et puisque il parlait des sujets de réconciliation, et nous t'arrêtons qu'on connaître pour qui raison ou besoin, il est dit, pour qui raison réconciliation. C'est question ça, soit pour qui raison réconciliation. C'est ça, oui. Parce que réconciliation, c'est vrai, il parle de réconciliation avec Dieu, et pour qui ça, l'homme besoin de réconcilier avec mon Dieu. Bon Dieu béni. Amen. Après la paix mondiale, parce que nous avons été en train de nous faire un point en attendant. Oui. Béni, non? Amen. La paix mondiale. Parlez-nous dans la paix. Pour qui ça, réconciliation? Hein? Eh bien, et nous avons créé pour nous avoir une relation avec bon Dieu. Mais à cause du péché, nous avons perdu le privilège. Ça. Depuis le jardin d'Éden, que Adam t'es tombé dans le péché, nous venons perdre du privilège ça, et nous, bon Dieu choisit le peuple Israël pour relation avec lui, ou le peuple a encore entré dans le bel avec lui, le peuple a encore retourné contre lui, tout ça, bon Dieu fait pour relation avec nous. Que livre seul petit lit pour que quiconque qui croit en lui-même pas périr pour la vie éternelle. Et bien, réconciliation, c'est pour nous capables de la vie éternelle. C'est pour nous, donc, on promet sous tête. Non, nous disons pour nous avec Seigneur, pour retourner chez nous. C'est ça, parole l'a dit. Puisque là, il dit pour retourner, et bien, vous le voulez peut-être chez nous. Qu'on est réconcilié, pour nous restaurer. C'est à l'aide à travers Jésus-Christ que nous avons réconcilié avec lui qui veut dire. C'est pour sa réconciliation, pour nous capables de gagner la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse. Mais nous voulons tendre l'autre frère et sœur bien-aimé qui nous vient souligner avec nous. Nous voulons tendre où, à ce soir, ces questions, ça nous a révélé réconciliation, la réconciliation avec Dieu. Et jusqu'avant, pour nous pencher sur ça, le ministère de la réconciliation avec Dieu. Bon Dieu bénisse. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Pour nous approcher vers les servantes, nos soeurs, elle peut parler là. Réconciliation avec Dieu, c'est très important pour nous. Parce que bon Dieu crée nous pour nous servir. Mais à cause des péchés, nous avons marché un pied en dedans. Mais la vraie chose, c'est pour nous prendre responsabilité, non? Tout le bagage de côté pour nous servir, bon Dieu, saint. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui naît, non? C'est lui qui sauve, non? Sans lui-même, nous ne pouvons pas gagner, nous capables de faire. De jour en jour, c'est pour nous approcher, nous, plus près, bon Dieu, car plus près, bon Dieu, c'est mon bien. Pour nous tous, ses effets, nous, yo. Nous ne pouvons pas arrêter dehors. Et que parfois, nous, on a servi bon Dieu, on peut y aller dans, on peut y aller dehors. Mais cette fois-ci, je vais approcher dehors et faire noir, c'est à glisser, c'est que mes têtes nous dit pour nous servir bon Dieu. Juste parce que nous gagnons, nous avons responsabilité, nous connaissons bon Dieu, il vient pour venir chercher nous. Et nous, c'est pendant ce temps-là, nous-mêmes, nous avons une préparation du cœur pour nous faire, pour nous qu'aimer ensemble, puisque là, nous qu'aimer ensemble, que nous plus forts, que à nous prêter tant Jésus qui a venu chercher nous avec une préparation sincère pour nous tous. C'est ça, M. Kapati. C'est belle. Belle. Ouais, salut, nom de mon Seigneur Jésus-Christ.
moi je crois que quand on parle de conciliation, c'est important. Parce que depuis nous avons dit conciliation, ça veut dire carrément qu'il y a quelque chose qui est disloqué, une dislocation. Il y a un bagage qui est brisé. Lorsque réconciliation, c'est lorsque il y a deux mondes qui sont fâchés et vous restaurez amitié. C'est ça, mon réconciliation, réconcilier. C'est bien été bagaille ensemble encore. C'est ça, faire du réconcilier. C'est-à-dire, quand tu te fais avec, et puis lier mon niveau à nouveau. Réconcilier. C'est restaurer ça qui était là déjà, qui était une amitié, qui était des propres relations, des relations politiques, des relations économiques, c'est-à-dire partenaires entre eux, et des relations en relation professionnelle, de toute qualité de relation. Des relations amoureuses entre madame et monsieur, des relations paternelles, des relations familiales, paternelles et maternelles avec les enfants, des relations fraternelles entre les frères d'une même mère ou d'un même père, des toutes qualités de conciliation. Les conciliations politiques et tout, comme des hommes politiques avec le temps, qui ne communiquent pas bien avec tel homme politique, mais pour une raison, pour le bien commun de la nation. L'exemple, si vous avez noté qu'à la France, c'est en 1802, lorsque il y a eu cette fameuse bataille de la crête à Pierrot. Donc, on a qu'il y a eu l'armée française, plus de 52 000 hommes qui se disent en France. Pour venir remettre ces anciens mondes libyens, en fait, anciens mondes libyens dans l'esclavage. Nous sommes en mai 1802. Et puis, nous sommes en février 1802 et jusqu'à avril et mai 1802. Et ma expédition a été Leclerc. C'est beau-frère de Bonaparte, qui était le mari de Pauline Bonaparte, il était dans cette expédition avec Leclerc, cette expédition, mais parmi lesquels il y a un certain Alexandre Sabet-Christian, et lui-même était dans l'armée française, qui a une mission secrète pour le métier et mon lieu d'esclavage. Et là-dedans, donc, à remarquer, il y a des salines qui sont dans la crête à Pierrot, il dit que si quelqu'un veut devenir esclave des Français, qu'il sorte de ses forts. Si vous voulez mourir en homme libre, arrangez-vous auprès de moi. Je veux garder que des hommes libres avec moi dans ce fort, ou sinon, je fais sauter ce fort avec vous tous. Et il y a eu cette fameuse dame qui s'appelait Marie-Jeanne. Et puis, en tout le monde, quand on parlait de Marie-Jeanne, et même dans Haïti, il y a un ici qui porte le nom Marie-Jeanne, qui dit, lui-même, il prend force libre, il dit, mais il dit, papa de Paris, comment ça passe? Mais, le lion, parce qu'il y a l'une là, mais que si tout le monde là, sans pour nous acquitter. Et aussi, l'esclave français, nous avons acquitté, exposé, c'est un tour, à nous faire la crête à Pierrot. Alors, même cette histoire, ça, c'est parce que, Pétion s'est activé sous fond la crête à Pierrot. Alexandre Pétion, il est sorti en France, il était dans l'armée française, comme étant colonel. Il dit, pour le temps de son travail, le Pétion vient apprendre qu'on est eux. Napoléon Bonaparte vient en mission secrète. Mission secrète, c'est-à-dire, parce que non seulement nous sommes en liberté, l'égalité, la liberté, et même avec. Et Santé Maître Paul Verreur depuis 1793, c'était bah, la bourse de famille de travail. Mais il vient d'apprendre que Bonaparte vient mis son secret. Il n'est pas seulement mis dans le travail qui tenait le noyau, il apprenait que même à France, il y a eu la pièce dans le travail encore. Ah, il y a eu le temps de nous dire ça. Il dit, ils sont mieux là, ça n'est pas bon pour moi.
Parce que la raison est claire, c'est que si nous-mêmes nous venons ici, nous sommes ici, nous sommes après, nous sommes ces peuples-là, c'est que nous sommes tous les esclavages, excepté Blanc. Or, moi-même, je suis de là. Pas d'intérêt pour ma conduite en défaut. Pas d'intérêt pour ma clan français, qui domine et joint l'armée indigène, et même à défendre la cause liberté par mon style. On va bien. Belle solidarité de nous de l'eau. Le monsieur vient rejoindre des salines, il parle à des salines, il dit des salines, objectif blanc, c'est mécanique, tout le travail. Il a dit, y compris ni mulâtre, ni aigle. De ce fait, moi-même, maintenant, là, mes pensées sont encore moins décidées de nous dans l'armée que l'armée. Quelque part, c'est qu'on fait des réconciliations. Et nous connaissons tous les citoyens, des idées, des histoires, comment ils parlent ensemble. Il y a un drapeau qui est capable de lutter contre le français. C'est-à-dire que c'est bien utilisé en réconciliation circonstancielle, parce que c'est ce qu'on s'en fait une question faire, mais réconciliation quand même. Alors, quand je fais ça, juste pour nous, nous, comme des relations, comme des réconciliations politiques, c'est un autre critère là, c'est réconciliation. Mais je dis, on a parlé du Christ lui-même qui est venu sur la terre et ce plus gros événement. Comme moi, j'ai dit la dernière fois, puis chambrer, je dis la terre, sur la terre bénie, la terre, elle est bénie parce que le Christ, une fois, il a marché. Ça veut dire tout ça. Une gros bas de nous qui parler, c'est que Christ l'a été venu, il te dit, on t'a venu tout ce qui est en bonne santé. On t'a venu tout ce qui est malade. Nous, on a besoin de faire chercher les gens, c'est même qui est malade qui cherche les gens. Christ l'a fait déjà, dit, nous dit, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça que Christ l'a dit. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver. Mais il est venu chercher, déjà, il est déjà réconcilié ensemble avec lui. Non seulement il est venu chercher, quand vous êtes habité sous les épaules, il est poté, eh bien, il est réconcilié ensemble avec nous. Et ça fait beaucoup de temps dans la vie. Dieu, qui est en Christ, réconcilie le monde avec lui. Alors, son sujet qui est extraordinaire, comme notre ami évangéliste Duval, c'est un sujet qui est énorme, qui est extraordinaire. Donc, on apprend sans nous, on apprend sans nous, on va courir. Et donc, on a montré l'importance de réconciliation en gagnant. Et est-ce qu'effectivement, nous-mêmes, quand on parle à nous, c'est le monde qui est réconcilié vraiment avec Dieu? Merci, c'était l'introduction ça, et on leur demande quand même. Je vais dire, Mathis, on peut dire qu'on se lâche avec Dieu, donc on a une relation avec mon Dieu, nous jeunes. Restauration, et puis il venait de nous tous pour nous jeunes pardon. Non, mais bon Dieu, parce que c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour te réconcilier nous avec mon Dieu. Et ça, c'est pour en place homme. De quoi pour être capable de nos vies éternelles. Et ça, c'est de nous réconcilier avec mon Dieu. Nous venons dans la relation, nous venons dans la restauration, nous venons dans le pardon là-dedans. Ça, c'est le bon pour nous capables de réconcilier avec mon Dieu, pour nous avoir une relation sincère avec mon Dieu. Pour nous rajouter une parole dans tout. Et ça, c'est Paul qui est réconcilié à bon Dieu. L'important de persécuter, Paul est réconcilié à bon Dieu. Paul est venu en relation avec l'Éternel. Et ça, c'est mon qui est capable de dire, n'a pas de pâme. Merci beaucoup, Solatis. Vous avez bonjour avec nous? Vous êtes venu, c'est bon. Je suis chanteur. Et moi-même, ça, que je ne suis pas capable de dire, puisque je n'ai pas de réconciliation. Et. Il signifie que avant réconciliation, c'est déjà bon premier amour. Et bon, je dirais même nous, mais la raison qui fait nous venir faire du premier amour, ça, c'est avec un résultat désobéissant. Adam avec elle, ça a fait nous venir faire du premier amour. Donc, vu que nous avons fait du premier amour, et crucifixion et Jésus. Et sur la croix, Jésus est venu du monde. Et depuis, bon Dieu t'a accepté, vous voyez, on se petit à Jésus qui est venu du monde.
Donc, moi, je crois que avec la mort de Jésus-Christ, qui est venu pour nous, pour ne pas adopter chez nous, que nous étions déjà en réconciliation de nous-mêmes. Merci beaucoup, c'est Chantal. Nous va connaître si bon l'autre intervenant encore, qui voulait intervenir. La paix, bon Dieu, avec vous. Que Jésus-Christ vient nous passer là, nous, même du passé, là, parce que vous et ça nous est capable de dire que réconciliation, puisque nous, ouais, tout bien aimé, qui parlait. Qui ont parlé, ont montré comment la réconciliation allait. Et nous, ça nous est capable de dire, nous sommes capables de dire, réconciliation en un mot, Dieu avec l'homme, il y a des amis, il y a des gens en relation intime, il y a en communion. Mais après que le péché vient entrer, une relation ça qui te gagne, une communion ça qui te gagne, les vins perdus, vins pas gagnés, relation ça encore, vins pas gagnés, relation ça encore, parce que le péché, et limiter une séparation dans la relation à chaque fois il y a un péché ou séparé de Dieu ou bien ou tomber en bas condamnation de la mort. Mais réconciliation, nous sommes capables de dire que c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative, l'éditer pour lui-même à l'homme, puisqu'il était en communion auparavant, qu'il était en relation intime auparavant, bon Dieu lui-même lui prend une initiative de lui-même pour lui-même avec l'homme lui retourner dans l'état auparavant qu'il était. Et Dieu fait ça, lui obligé et voyer Jésus-Christ étant le médiateur, étant un monde qui pourrait concilier avec bon Dieu. C'est ça fait à la croix, nous, lorsque Jésus-Christ est à la croix, nous mène vers le ciel, nous mène vers l'homme. Ça veut dire qu'il prend main, mais bon Dieu, il met en main, il réconcilie nous avec et papa. Et sans quoi, nous pas bien et réconciliation ça. Là, nous lisons à travers la Bible dans Romains chapitre 5, verset 10 à 5, verset 10 à 11, il dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11, il dit, plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous, c'est Jésus-Christ qui fait la réconciliation, hein? Et malgré ses papas qui voyaient, mais c'est Jésus-Christ qui fait la réconciliation, hein? Ça veut dire que lui prend leur monde, réconcilier au monde avec le monde, nous, naturellement, nous maintenant les prend main l'autre maintenant des adversaires ou bien des gens qui pas en harmonie, les prend main du coup les marie ensemble, les mette ensemble, les fait une réconciliation. C'est ça Jésus-Christ fait pour nous à la croix. Lorsque nous nous séparer de Dieu, Jésus-Christ prend main papa, les prend main et papa les prend main nous, les mette main nous dans main bon Dieu, les réconcilie nous avec Jésus-Christ de nous, Pasteur Winnet. Avant Pasteur Winnet, bon, notre frère dit, il a parlé de Jésus qui était obligé, mais bon, Jésus n'est pas obligé. Non, c'est pas obligé. Jésus n'est pas obligé.
Et puis, parce que Jésus pouvait dire non. Non, mais non. Ça qui fait là, c'est l'entendre. Même Jésus dit ça, tu m'as formé un corps pour faire au Dieu ta volonté. En attendant le monde, c'est ça qui l'a dit. Ça, c'est important. C'est-à-dire que même si tout sort de tout sort de c'est l'amour partagé entre le Fils et le Père. L'amour partagé. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, entre le Père et le Fils, il y a un amour qui est tellement synchronisé, décisionner ces décisions-là. Ça veut dire qu'il casse, Jésus, il regarde dans envie. C'est ça, c'est sa petite là, lui, c'est le paradis. Sa papa, dit c'est le petit là. Et ce fait, c'est important pour nous, par les affectifs, d'avoir été en réconcilié par Jésus-Christ. Et nous, que, donc, on peut dire que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et pour que les hommes étaient hommes, après, peut-être Marie ne suit pas. Mais l'essentiel de tout ça, c'est qu'on comprend là, qu'on est que Jésus-Christ est le seul. Parce que nous, là, non pas là, ça va faire bon Dieu en rien. Nous, là, non pas là, ça va faire bon Dieu en rien. Parce qu'avant nous, il est tout puissant, il est Dieu, il est tout seul. Après nous, il est là, il est tout puissant, il est tout seul. Ça veut dire, Dieu, effectivement, j'en ai pris à tenter de les voir, son vérité absolue. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais bien, non? Amen. Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous profiter pour me dire, pasteur, une autre bonne fête. À ce moment-là, nous avons un sujet qui est très important que nous avons parlé, nous avons discuté, ni sur le plan physique, ni sur le plan spirituel. La réconciliation. Et moi, ça, c'est ce qui cause un pile de monde à sauver. La raison pour laquelle n'importe qui bruit nous gagne avec madame nous, avec mari nous, ou bien avec nos amis, nos ennemis acharnés avec, et puis nous dit, même les 27 000 têtes tombées sous coffre, les stomacs, je ne peux pas gagner un café mal avec Fred Duval encore. Cela veut dire que lorsque Pasteur Wilner pose des questions, pour quelle raison, ou bien pourquoi la réconciliation? Dans la réconciliation, pour le vrai sens, il y a deux mots qui entrent en jeu. Il y a la repentance et le pardon. La réconciliation vient à partir de un conflit qui existait entre Duval avec Madame Ni. La réconciliation vient à partir de un conflit qui existait moi-même avec Frère Wilner. Si dans le vrai sens, nous pas chita, pour nous réconcilier, comme je ne vais pas réconcilier. À chaque fois que moi, je suis mauvais, à chaque fois que je suis mauvais, cela veut dire que je ne sais pas, on se retirer le retiré de la Bible. Dans ma Bible, verset 9, il dit, eh ouais, ce qui refait autour de la paix. Eh ouais, ceux qui répondent autour de la paix, car Dieu les reconnaît pour ses fils. Cela veut dire que voilà, si je suis réconcilié avec un frère, et me rencontrer avec même dans le train, voler sous lui, et donc qui est à de la police. Si parce que vous n'êtes pas réconcilié avec moi, il peut arriver là comme un marché par marché. Tout le monde va venger. Il va être capable. Il va vivre. Ça veut nous dire réconciliation. Il y a un rôle important que l'on joue la caille, nous étant chrétiens, ou bien nous étant l'homme. On va prendre les deux côtés. Il y a une réconciliation, ça nous refuse de faire. Qui connaît n'importe quelle discussion que nous avons avec nous. Soit si on met nous dehors dans la caille là, ou bien nous quitter la caille là. Et bien, il va nous parler avec lui encore. Dans le cas où vous marié avec lui, pour le pire, ou bien pour l'éternité, ou bien à vie. Ou bien à vie. Mais si moi-même avec nous,
nous dans l'église là, nous ne pouvons pas réconcilier nous pas bien, comment pouvons-nous réconcilier le monde avec mon Dieu? Ah oui, le ministère de la réconciliation de la vie chrétienne, si nous-mêmes, la caille pour avoir deux ordres, il y a un moment d'intérêt, quand il y a un amour ou du métier de l'ordre dans la caille là, nous ne pouvons pas réconcilier avec elle, nous ne pouvons pas avec nous, nous encore. Tout le bien avec moi, parce que je n'aime pas de Paul. Mais frère, on l'a dit, c'est mon devoir. C'est un moment pour me parler, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la configuration, tu dois réconcilier avec ta femme. Parce que moi, je suis ministre de la réconciliation, je ne parle pas de la Bible, frère, on l'a dit. Et quand frère, on l'a demandé tout à l'heure, pour qu'il y ait les gens, réconciliation, c'est la fin qu'on va chercher. Maintenant, sur le plan spirituel, puisque nous connaissons le salut, c'est à travers seulement Jésus-Christ qui est capable de mener. Et si lui-même, il débaille pour réconcilier moi, malgré mon temps rébellion avec papa, moi, s'il parle de réconcilier avec mon Dieu, moi, j'étais dans l'erreur, c'est parce que je parle de les gens de Colossiens. Nous t'es ennemi, étranger. Mais vous, c'est de vous, ou bien on coupe entre vous-même avec mon Dieu, ou soit étranger, ou c'est ennemi mon Dieu. Mais si on va profiter de cette de sens, il coule pour me réconcilier avec mon Dieu, je vais vous censurer. Si moi, mourir, je vais de mon Dieu, parce que je vais réconcilier avec mon Dieu, parce que je vais couler à moi. Les actes parce que vous n'avez pas de question ça. Pour qu'il y ait une réconciliation, hein? La raison pour laquelle il va m'obliger à réconcilier avec mon Dieu, c'est parce que je voulais bénéficier de la vie éternelle là. Mais c'est vrai, évangéliste, pour réconcilier avec mon Dieu. Mais est-ce que vous réconciliez avec mon Dieu autour de vous-même? Des gens qui ont aussi, même les gens qui ont été tombés sous coche et sur la cour, pas rien qu'à faire me balader. Non, c'est mon Dieu qui résonne. Il avait mis sur la terre. Je sais qu'on soit pensé, frère Duval, qu'il avait mis sur la terre. Souvent, quand je concilie avec mon Dieu, qu'on parle, ou du moins concilie avec, et les hommes qu'on doit voir tout le temps. Depuis moi, je vais vous laisser me garder. Même si je côté adoration, on va offrir mon Dieu à partir de là. Côté adoration, on va offrir mon Dieu un esprit en vérité pour nous permettre des gens, nous ouvrir des mêmes, m'a pleuré, m'a adoré, et puis m'a ouvert chez moi, mais qui connaît les mal tombés, je vais partir de là sans me garder. Parce que je vais bien avec elle. Mon Dieu bénit nous. Comment vous allez à l'église? Faites la caille ou partir de là? Vous venez mettre des foules là. Et nous, souvent, on ne peut tellement pas bien avec le pasteur ou l'est, laissez les gars prêcher, on ne peut pas aller, parce que c'est le pasteur ou l'est. Parce que le pasteur ou l'est. Pour les réconciliations avec bon Dieu, la pasteur ou l'est, c'est qu'il me dit non. Réconciliations, on a posé nos questions. Pour qu'ils soient obligés de réconcilier, c'est pour éviter la rencontre des voyelles, c'est pour éviter les confrontations. Parce que depuis que je me réconcilie, je peux faire la paix avec mon Dieu. Et la Bible dit moi, sans la paix et la sanctification, je ne peux pas faire mon Dieu. Alors, pour être aussi un petit entente, pour me dire avec Pasteur Oulin, pour me perdre du salut, pour me perdre du royaume, pour me dire le Pasteur Oulin, pour me dire Pasteur Oulin, I am sorry pour l'incident malheureux qui est passé. Je regrette infiniment mon cher. Je vais passer là. Je vais vous amener à me prendre comme ça. Et bien, comme nous condamnés pour nous faire route là ensemble, mon cher Mando, pardon, ça ne va pas être passé. Dis-moi, non. Comment je vais dire ça, je vais vous dire ça seulement. Oh, c'est pas ça, je vais vous dire pour moi. I don't care. C'est pas ça, je vais vous dire pour moi. Comment la chef qui est passé, je vais vous parler avec elle. Elle est bon Dieu, elle est cyclone, elle est d'aimer, elle est cyclone. Mais si je ne vais pas réconcilier à Pasteur Oulin, comment je vais faire l'évangile là?
C'est pas parce que même quand dit nous ça, qu'on voulait le comprendre, l'Église a uni, oui. L'Église a uni, l'Église a uni, parce que la Bible, moi, l'Église a uni, bâti sur le rocher. L'homme, et je crois que le pasteur Renault a dit ça, je me dis passé, l'homme n'a fait ça, il a oublié. Mais il n'y a pas qu'à ébrouiller l'Église, il n'y a pas qu'à oublier. Tout le monde est concilié avec le pasteur Renault. Tout le monde est concilié avec le pasteur Renault. L'Évangile a continué, le pasteur Renault. Amen, amen, yes. Avec moi, ça m'a dit, on a fini quand même. Tu vas les mounir dans quoi plus on va vous réconcilier avec vous. La réconciliation de l'eau est importante. Si vous pouvez réconcilier avec vous, vous pouvez réconcilier avec vous, vous pouvez réconcilier avec vous, parce que vous avez dit. La fête bon Dieu avec nous. Et l'autre fois encore, nous saluons dans le nom précis de Jésus. Et nous avons quitté au palais pour nous suivre tout le monde avec beaucoup d'attention. Qui a intervenu sur le sujet, ça a assuré qui c'est la réconciliation. Et nous prenons de bonnes notes et intervenant, il semble comprendre ça que lui et réconcilier. Mais il a semblé comprendre. Ça m'a dit parce que Jean et Evangeliste sont intervenus. Hein. Ça veut dire que c'est qui ont un problème qui pose. Mais qui me dit que tout ça, c'était normal. L'autre fois encore, nous dit bon anniversaire avec Confrénon, le pasteur et Joseph Renault. Et bon anniversaire tout à Évangéliste Duval qui t'a fêté, et ainsi que Frère Valco. C'était un pile anniversaire qui veut dire dans le jour. Nous bénissons Seigneur pour vous qui a accordé des années de bénédiction dans la vie. Nous bénissons Seigneur, nous balgons à vous ça. Et qu'il essaie capable de continuer dans la grâce, dans l'amour, dans la bonté, dans la miséricorde. Li. Et faire aux grâces, et puis vous capable de mettre dans le pied Seigneur, puis vous faites travail Seigneur. Oui, on garde, qui veut dire, parce qu'on a déjà fait un gros râle, nous ne pouvons pas tourner sous le bagage, ça, encore comme si. Mais, il faut juste citer un verset qui est dans et Romains chapitre 5, le verset 10, il dit nous sommes ennemis de Dieu. On garde, écoutez, Apôtre Paul dans Colossiens, il dit nous comment nous sommes ennemis de Dieu, dans le verset ça. Vous avez pour nous rentrer dans le ministère de conciliation, hein, d'emblée. Et dans Colossiens chapitre 1er, et le verset 21, et c'est ça que fait nous demander, qui veut dire, il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers, et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Et Jésus l'a parlé là, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Il l'a fait Jésus. Vous comprenez? Mais pour quelle raison il réconcilie? Il dit, et pour vous faire paraître devant lui, saint, irréprochable et sans reproche. Et nous demandons pour noter le verset ça pour nous, qui est dans Colossiens chapitre 1, et 1er, verset 21 et 20. Nous dit, réconciliation tout de suite, c'est restaurer une relation qui est brisée. Et nous dit ça, et ça veut dire, l'homme a de bonnes relations avec Dieu. Au commencement, mais il ne perd pas. Et c'est ça que fait le pasteur Doulou, il dirait qu'il y a une conciliation en premier lieu, mais les relations ont été perdues. Et du coup, il y a venu pour réconcilier. Il faut juste le dire, non, le CIEC prend, c'est lui-même qui prend la décision. Ça. Oui, c'est le CIEC qui prend. Et pour qui ça, le CIEC prend? Et parce que le CIEC voulait, attendez bien, le CIEC voulait, rester proche de nous. Il veut habiter parmi nous. Même Jean-Ouel te dit dans le livre depuis de Moïse pour construire Tabernacle, qui est en figure de nous-mêmes, qui est en bon Dieu, qui est en figure. Il dit pour construire Tabernacle, parce qu'il voulait rester au milieu du peuple. Et bon Dieu, dans l'amour infini, il crée nous, il voulait rester au milieu de nous.
et soit les fins de l'Apocalypse, il dit ça. Il dit ça. Tout le monde qui accepte Christ pendant qu'on a parlé de la réconciliation, il va servir de lumière pour eux-mêmes. Et pour la servir de lumière et pour l'habiter de bon côté. Il veut pour nous être proches, comme si, et pour nous c'est entourage, pour nous être autour de nous. Et c'est la raison ça qu'il cherchait, qu'il veut dire lui-même, par Jésus, pour le réconcilier avec. Mais Kounia, parce que vous avez cité le texte, nous allons aller dans le texte, nous avons parlé des ministères de réconciliation, qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Vous comprenez? 2 Corinthiens, chapitre 5. Attendez bien, je m'ai appelé depuis le verset 17 pour vous. Et puis, dans le texte, il y a deux faits là-dedans qui ont besoin de porter attention à ce qui veut dire dans le cadre d'évangélisation qu'on a parlé. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que devenir nouvelle là, dans le point d'évangélisation de la cité là, sous devenir nouvelle, et bah, comment vous pouvez dire pour un problème avec mon lacayo, ou pas réconcilier. Ou un problème avec madame, ou pas réconcilier, ou de devenir nouvelle. Vous devez comprendre ta que les devenir nouvelles là. Vous devez chercher à comprendre. Est-ce que Abdou? Il dit, car Dieu était en Christ. Il était en Christ. Il conciliait le monde avec lui-même. Le monde, ça veut dire tout le monde. Et sous appelé, et si nous sommes tournés dans Colossiens, et Colossiens chapitre 1er, sous ta tournée là-dedans, c'est l'humanité même qui veut dire, bon Dieu, est-ce qu'on comprend? Il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Il dit, tant que ce qui est sur la terre, et que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Toute bagaille nette. Pas oublier, lorsque il veut dire péché, a fait péché, ça veut dire partie dans l'univers céleste et qui dérangeait tout. Parce que elles ont pas oublier ça tout, non? Elles ont et ce n'est pas seulement la tête. Et puis, nous continuons pour le dire, il dit comme ça, il a mis. Attendez bien, oui, en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Attendez bien, ça. Il dit, et nous faisons donc, il met dans nous la parole de la réconciliation, donc, mais l'autre mot qui me dit, mais je vous porte attention. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Oui, les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nous devons porter attention avec sacré, yo ambassadeur. L'ambassadeur qui veut dire les chargés de mission des pays, en vie à pile, ils voulaient dans l'autre pays. Ils ont Abdou, ils voulaient dans l'autre pays. Pas oublier, nous dit nous-mêmes, nous sommes des étrangers, nous sommes des passagers. Ils ont Abdou, et c'est ça que fait, dans le même livre Colossiens, c'est la commande pour chercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Ils ont Abdou, c'est ça que fait, et la poursuite, il dit nous faisons donc, et fonction d'ambassadeur pour Christ, hein. Il dit comme si Dieu exhortait par nous, attendez bien, oui, et nous en supplions au nom de Christ, hein. Soyez réconciliés avec Dieu. Premièrement, on a quitté parole, bon Dieu vient réconcilier avec nous, nous connaissons Jésus-Christ, bon Dieu réconcilier avec nous. Mais qu'on y a un autre parole, mission que nous gagnons. Premièrement, évangélisation, nous allons ajouter deux bagailles là. Ça veut dire, ou même qui gagne mission, comme si, puisque vous déclarez tête, vous allez bien, vous réconciliez, qui veut dire avec Dieu, c'est le premier bagaille. Mais est-ce qu'on réconcilie tout avec le monde qui est beaucoup autour? C'est là que nous n'avons pas posé la question à cela. Si on ne réconcilier avec le monde qui est beaucoup autour, ça veut dire, ou pas réconcilier le monde pour mon Dieu. Ça veut dire, bon Dieu, alors. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parce que, premièrement, attendez bien, oui, et il est très important, il dit, en imputant point aux hommes leur offense, pour mon Dieu qui a réconcilié avec nous, l'oublier péché nous, et ou même qu'on y a. Est-ce qu'on pourrait, parce que, il n'y a pas de réconciliation, immédiatement, nous avons fait pardon qui entre là-dedans. Nous avons fait la paix qui entre là-dedans. Est-ce qu'on fait la paix d'abord avec le monde et qui est autour de vous, avec chrétien par vous? Qui en assemblée qu'on doit marcher, est-ce que nous avons de bonnes vies, est-ce que nous avons harmonie ensemble, qui veut dire nous, vraiment,
et puis pour nous capable aller dans l'aria et pour aller reler l'autre. Bon Dieu béni nous. On a continué avec la partie des questions ça yo, on a bon temps pour parler pour tout chita avec nous et puis pour nous parler questions bien sérieux. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Je veux Bible là là. Mais comme demande est-ce que nous lisons Bible là ou Dieu même Jean avec si pas bon homme de Dieu qui vous explique mais comment vous pouvez comprendre ce qui est écrit dans la Bible? Vous comprenez Dieu. Le livre de 2 Corinthiens, verset 19, là, il dit nous sommes Dieu étant en Christ. Dieu étant en Christ, réconcilier les hommes avec lui sans tenir compte de leur faute. Ça veut dire que nous n'avons pas de problème avec ce qui est non. Même on dit qui est petit, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Nous rancunier. Et puis il dit, moi, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Il a fait les dépositaires du message de la réconciliation. Du message de la réconciliation. Aussi, nous, ces dépositaires-là. Mais je comprends moi ça pour nous, madame. Mais pour qui ça m'a obligé à créer ennemi. Pourquoi je ne peux pas réconcilier avec frère Mio qui est côté maintenant? Et même là, nous disons, évangéliste, je réconcilie avec moi, je me baptise. Et puis, on va réconcilier avec frère Mousselin. On va réconcilier avec frère Mousselin. Et on va nous donner une nouvelle spéculation. Parce que, c'est ce qui nous a un dépositaire du message. Donc, voilà. Jésus-Christ fait lumière du monde, il est venu pour réconcilier le monde
qui veut dire avec papa, il a accompli mission. Et vous-même, vous avez mission pour là, vous avez accompli. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, sa saveur, si le sel perd sa saveur, ou même qui c'est, qui dépositaire, elles ont même, qui avait dit, de la mission de réconciliation, il dit, si le sel perd sa saveur, à quoi la lui vendra-t-on? Il dit, il ne sert en lui qu'à jeter dehors et fouler aux pieds par les hommes. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Séparation, ou t'es bien avec un monde, ou fâché avec un monde, on a souffri. Et on même toi a souffri. Et ou qu'a vu nous fou, tellement marcher par le monde normal. Chaque monde nous joint, nous pas le mal. Ou quand même, nous venons de parler pour contre, tellement on vit le mal. Mais évangéliste, ce qui n'est pas là, nous prenons la fini. Nous sommes en continuité de souffrir, nous n'avons pas mal en pile. Il y a souffrance. Pour qui était là, obligé de fouetter tout, la souffrance, ça va se faire. Pour qui était là, la haine. Pour qui était là, obligé, pour capable de vivre, c'est pour la vie, pour mon détruit, je vais se faire. Il y a la haine, depuis la souffrance. Il n'y a pas d'empile. Il y a la paix. Et pourtant, la réconciliation là pour ça. Bible a dit toute provision, tout médicament pour qu'elle soit remède là. Et là, on doit réconciliation. Et pas que nous-mêmes, frères, à notre cœur. On pense supposer qu'il y a ennemi, non, c'est un chrétien. Voisinage qui et ça lui dit, oui, évangéliste, réconciliation ne passe pas autour de frères avec seulement. Non, on a parlé là. Parce que aussi dépositaire de réconciliation, ça veut dire qu'on peut pouvoir réconcilier le monde, pas bien non, avec Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas limiter la réalité à soi. Romain, votre pensée de nous. Quel problème qu'il y a dans la communauté qu'on aurait dit? Dans l'arrêt qu'on aurait dit? Au cas où il n'y a pas, on a besoin de la police, on a besoin de la paix. Vous souvenez, on veut se parler, vous dites ça, il y a là, il y a tout, il y a tel ou tel. Est-ce que vous faites la paix entre vous-même, oui? Mais comme nous, nous sommes bons métiers, parce que nous sommes capteurs, vous êtes dépositaires du message de la réconciliation. Vous êtes un genre de police, même si la police l'a vu, il parle de la foi, il y a, il m'a des sacs, là, ou parle en plus de bon, nous ne pouvons pas entendre nous, on va la yon. Là, la venue, oui? Et moi, Wally, les policiers l'ont venu. Ils ont dit, monsieur, ils ont dit, non, fille, elle est nerveuse. Ils ont dit, bon, puisque une fille est nerveuse, moi, je suis avec ma amie, je suis avec dormir. Parce que si nous sommes dans la caille avec toi, quand tu es fier, tu ne peux pas dormir. Mais je dis, venez, là, nous sommes côté pour dormir. Dans la belle, c'est la prison. La réconciliation, c'est le pivot de l'évangile. Si Jésus n'est pas réconcilié avec papa, nous avons été bien. Nous, les séparations, les divisions, de la haine, des souffrances, de l'empile, de tout le monde. Tout le monde n'a pas dit que vous nous avez dit nous, séparation douce. Séparation pas douce. Même la mort, vous nous dites, vous êtes un chrétien, ou pas la formal. Malgré la propos de la mort, c'est un gain. Maman mourit, papa mourit, quand même mal à fond mal, et c'est humain et avant tout. Vous avez des bons mal, vous avez des bons madame, et puis vos séparations qui fait, vous ne pouvez pas comprendre une séparation. Quel est le roi pour te faire chagrin?
on a mis que vous avez un pile toujours ensemble, même j'ai avec ADRM qui est toujours amis. Et bon, je me jardine, je connais le désir, je connais le lit, je suis pas ensemble, je connais le lit, ça donne un ennemi. Ça donne des gens coupés entre eux. Vous pensez que j'ai un ça, je me mets dans une balle de blague, je n'aime pas la vie encore. Je ne vais pas parler de moi encore. Jusqu'à la carte pour qu'on soit en prison, je ne vais pas parler de tout ce qu'il y a, parce que je vais me mettre en prison. Donc, on me dit une séparation douce, on se donne un peu de désir. Et Jésus-Christ est venu, est venu en médiateur entre Dieu et l'homme. Et l'homme là aussi qui est tombé dans le dévion, qui commet offense là, l'idée d'abord de reconnaître Côté. Pour reconnaître la création catabane. Et bien assumer les réconciliations qui sont bien faites. Si toi, mon sérieux, ne pas faire partie chaque, pas faire partie par loi, pas de chambre de réconciliation. Mais à travers réconciliation, ça, nous venons tous les trois mounis, et nous tombons la terre. Comme on a dit, mon Dieu, il prend l'initiative, il veut Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, à l'obéissance, il vient accepter mon médiateur ou bien il accepter mourir à la croix et pour être capable de réconcilier. Et l'homme lui-même, ça fait, il accepte. Et la foi, il accepte de venir la foi en Jésus-Christ. Il vient tous les trois milieux de collaborer ensemble pour faire une réconciliation capable, valable ou bien pour une réconciliation capable. Parfait. C'est ça que nous venons à cause de l'inconciliation. Ça, c'est très, très facile. Mais du côté de l'homme, et pour l'inconciliation faite, souvent, c'est des mines, ça fait l'impression qui est toujours, et des acteurs qui sont toujours là. Voilà, les maris et les femmes, mais pour réconcilier, bah, ils ne sont pas capables de faire bien. Passer par les monde qui sont des médiateurs de l'homme et pour mener et accomplir, qui est capable de accomplir les conciliations. Mais c'est moi et Dieu, c'est pas ça le fait. Dieu lui-même, lorsqu'il soutient l'initiative pour les réconcilier avec l'homme, par lui-même qui offense l'homme et l'homme qui offense Dieu, on est attaché à l'évolution de Dieu. Et Jésus-Christ vient de mourir au moyen de la mort de Jésus-Christ, l'homme vient de réconcilier avec Jésus-Christ. C'est toi, c'est ça, on devrait faire sortir la réconciliation. Bon, je bénis, c'est maman. Je bénis, c'est maman. Je passe sur une lèvre. Je voulais comprendre, c'est à travers réconciliation, ça a toujours qui fait nous vivre ambassadeurs de Dieu, que nous sommes capables de proclamer de la bonne nouvelle. Pour qui ça, bon Dieu, c'est mourir pour nous. Est-ce que ça a rentré, madame? Exactement, c'est parce qu'il est clair. Et puis, disons qu'il est plus pour réconcilier avec mon Dieu. Ça veut dire, et puisque c'est l'humanité, c'est pas c'est bon, c'est le grand monde, bon Dieu, c'est pas c'est le même, bon Dieu, c'est réconcilié avec elle. Mm-hmm. L'humanité, réconcilié avec elle, qu'on y a, lui-même, les bonnes missions, tout, est-ce que vous voulez, pour réconcilier le monde, est-ce que vous voulez, pour les bons comme ambassadeurs, parce que les ambassadeurs, c'est le monde là, les soutiens de l'eau, là, fait promotion pour payer. Je
Vous êtes tellement sensible pour réconciliation, pour la paix, pour l'unité. Je m'en passe pas au lien de là. Toujours faut-il les tunnels qui ont dit c'est fou. Bonjour, la prière. Je dis non seulement pour ce qu'on fait seul, je ne vous dis pas que c'est pas nous-mêmes, nous devons nous caresser Jésus-Christ. Je dis pas que la réconciliation passe au lien de l'unité. Pas gagné. Et c'est ça que fait l'évangéliste, c'est ça que fait le Seigneur, c'est ça que fait bon Dieu, il y a avec nous. C'est parce qu'il est réconcilié avec nous qu'il y a qui fait ça, il y a ensemble avec nous. Il pardonne nous. Il y a nous qui essayent d'unir avec nous qu'il y a, c'est ça que fait une relation avec nous. Et nous avons intimité ensemble avec nous. C'est pour que l'évangéliste, il parle les ses amis, elles ont dit, nos amis, parce que deux bons amis, ils ne connaissent pas l'autre après. Ils ne connaissent pas l'autre. C'est ça, parce qu'ils ont une intimité ensemble. C'est ça, les mêmes qui ont été. C'est ça, les. Comme je dis, tout le monde dans l'église, c'est des gens malades qui ont
Moi, c'est ça que je connais. Moi, c'est tellement pas que nous faisons. Pierre, parle de Jésus, combien de fois pour pardonner?
le pardon de Dieu, elle me dit le pardon de Dieu, il faut accepter pour remettre bon Dieu la vie. Est-ce que vous comprenez? Par contre, elle a laissé elle-même à pardonner. Vous comprenez? Bon Dieu, béni, c'est ça que je dis, mon différent pasteur et évangéliste. Parce qu'on n'est pas parlé en pile français, mais on ne parle pas les français. C'est parce qu'on connaît la Bible du moins, chercher la paix, tant que c'est possible. Et ça fait le tour. Non, réconciliation, il n'y a pas de temps. Demain, il n'y a pas de temps, faire. On ne sait jamais demain. Ça n'est pas sûr, on n'est pas. Si vous ne pouvez pas dire ça, mais pas de temps, non. Dans la réconciliation, il n'y a pas de demain, non. Au moins, il n'y a rien de demain là-dedans. Parce que c'est pasteur qui a fait littérature française, littérature anglaise. Moi-même étant évangéliste, il a posé une question. Ça me dit, je ne sais pas, 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 T'as fait le jeu avec nous? Oui, bien sûr. Ok, vous avez un débat qui est vraiment intéressant. Je ne peux pas arrêter pour me faire discuter avec nous. Premièrement, tu as eu une réaction depuis le temps le noir et la Genèse, après que bon Dieu a créé toutes sortes de choses, et finalement, à la fin, il vient créer l'homme. Et que l'homme lui-même, monsieur même dit que il a senti que comme s'il besoin l'autre monde. Ok, bon Dieu prend un côté, il crée Eve avec lui. Il y a une bonne relation entre Adam et Eve avec bon Dieu. Ok, très bien, bon Dieu, bah, loyal pour observer. Ça veut dire qu'il y a, comme on a parlé là, il a créé une relation parce que il a désobéi à sa bon Dieu qui dit. Yo. Manger et fruits que pas supposé manger. Depuis là, la création, on perd des relations. Ok? On ne connaît pas bon Dieu. Et si on regarde la Bible là, bon Dieu fait tout ça capable pour le mettre en relation avec le peuple là et lui-même. Finalement, l'obligé éliminer tout ça que tu là soit des vieux. Et qui ont une grande seule famille. Ils font relation avec la famille. Ça. Et depuis devant, les pères de famille. Là. Ils viennent tomber sous Abraham, Esaïe. Oh. Enfin, ils tombent sur vraiment que M. Saro, ce sont des hommes de foi qu'ils sont capables de continuer avec eux vraiment. Ok? Tout ça, une relation, bonne relation avec eux, surtout Abraham. Esaïe et Israël là. Ok? Une bonne relation avec eux. Et nous avons avoué que la relation continue de petite en petite, de génération en génération. Même Allah a fait rebelle. Mais il y a toujours une relation qui n'est pas perdue avec le monde qui fait foi dans lui-même. Arrivé à Joseph et par la suite, nous venons de Moïse. Et nous sommes capables de voir quand il arrive l'exode de toute Genèse là, nous voyons comment bon Dieu a bataille pour une bonne relation avec le peuple là. Pour que j'aime la relation pour qu'il y ait une arrivée l'exode quand il arrive avec Moïse. Mais ben là, Moïse a racheté le peuple là d'Égypte, il est rentré avec lui. Ok? Il est rentré avec lui. Le peuple tellement pas vraiment gagné la foi. Soit tu crées la chance là, bon Dieu gagne avec Moïse là, en amdou, ça qui veut. La suite, tu sortis pour malgré tout en Égypte, tu sortis pour continuer à faire même des bagailles, dit Moïse, lave le peuple là, qu'on est pour laver. Laver le peuple là. Laver le peuple là, il ne va pas prendre l'eau bien, non? C'est-à-dire, toutes les bagailles, il va faire que vous quittez loin de vous-même. Vous mettez loin devant vous pour observer. C'est perdu. Ok, mais Moïse a toujours mis à genoux, à demander pardon pour chercher relation lui-même pour qu'il puisse participer, partager avec frère et soeur. C'est-à-dire que même le vin avec moi,
relation ça aujourd'hui à là il vient entre nous-mêmes par l'intermédiaire de Jésus-Christ que bon Dieu fait alliance avec lui. Amen. Sens la croix qui a acheté péché toute vie bagaille qui passait déjà et qui bagaille pour passer qui bagaille qui a passé qu'on y a racheté là actuellement là. OK, il fait alliance avec Jésus-Christ. Jusqu'à présent peuple n'a pas servi là, nous a servi là pour qu'on comprenne alliance ça. Par exemple comme évangéliste Saut dit que il comprend avec pasteur Willet. OK. On va monter sur lui, on va faire gonègue, on va saluer. Qu'on y a ça évangéliste, évangéliste côté bon Dieu, mais de bon Dieu pardon parce qu'il fait pasteur Willet en bagaille. Non, on va dire non à bon Dieu. C'est avec pasteur Willet que nous l'évangéliste. C'est alors évangéliste alors pasteur Willet d'abord pour concilier avec lui. Pour laver ou pour parler ça actuellement, pasteur Willet a accepté pardon, là, et puis qu'on va mettre à genoux, il y a trouvé vini de Messie Dieu pour aller racheter, continuer à racheter le peuple. On va mettre à genoux, il y a devant mon Dieu, au nom de Jésus, vous demandez pardon, pour raconter ça qui est passé pour le pardonner. Comme pasteur a dit là, il faut mettre sur le pardonner. On va continuer à faire à droite à gauche et puis on va prendre une série de pardons et puis, hé, hey, c'est quoi ça? La paix de Dieu avec nous. Amen. C'est un bel point. Excusez-moi, évangéliste. Semble nous on voit nouveau qui se monte, qui sont les noms d'arrêt, mais qu'on est, voir, et non, mon qui fait l'intervention, et nous d'arrêt, mais qu'on est, et puis jusqu'à avant, ou même pour intervenir. Alors, est-ce que je n'avais pas me présenter? C'est Frère Victor de New York. Oh, yeah. Oh. C'est parce que moi, lui-même, je vois changer. Un peu, c'est pour ça que je vois changer. Moi, je vois changer, moi, je vais venir. Oui, amen. De l'argent, je vois changer. Non, mais le monde, je vais venir. On avance. On avance. Son bel point, Frère Victor, fait là, c'est vrai. Mon bon problème à Frère Willet, je n'ai jamais résolu le problème à Frère Willet, et puis je vais devant mon Dieu. Et moi, je me dis au français. Je vais le contre mon Dieu pour demander mon Dieu pour le toucher que Frère Willet, pour le mal parler à Frère Willet, pour faire une attendre. Je ne vais pas dire mon Dieu, je ne vais pas nous faire une attendre. Je vais faire une attendre. Et puis je vais finir, je vais la faire déjà. Et puis je vais demander mon Dieu pour une question. Je vais me demander mon Dieu pour on te dit mon nom, on va te réconcilier avec lui, on va te faire la paix avec lui, on va te dire mon problème. On te dit que vous avez mon Dieu avant, on va te dire mon Dieu. On va te dire que vous avez un problème. Et ça, c'est ce que nous là. Vous avez un problème avec nous, c'est. Évangéliste, attendez bien. Bagay ça, on a parlé là. C'est un gourou qui a une chaîne de parole liée. L'énab dit ça, faut nous, c'est pour nous garder Jean, l'essayer lui-même, les considérer lui. Et je vois, l'énab question comme si, pour l'essayer montrer comme si comment, pareil, ça a une très grande valeur, ça a eu des réconciliations. Hein? C'est pas l'idée, si, parce que même l'on vient demander bon Dieu pardon, en dehors de moi-même, ou pas j'en avec moi. Ou qui t'aime dans le péché, parce que le Seigneur pas voulu quitter fort là dans le péché. C'est là où on peut comprendre. Il pas voulu quitter fort là dans le péché, parce qu'il quitte dans le péché avec un bagage dans le cas où, est-ce que vous comprenez? Et que les gagnent contre, parce que vous êtes fait. Mais pendant ce temps, vous-même, vous proposez, comme je vous dis, le Seigneur ça, pour tout bagage, tout bagage marcher OK. Non, tout bagage OK. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas OK, vous besoin contact, vous besoin contact. Parce que vous comme côté nous joindre ça, c'est dans verset le Seigneur dit ça, si vous te prenez un frère ou te gagne un bagage avant, c'est pas vous même qui te gagne avec là, il dit vous va le déposer au fond là, il dit déposer au fond là dans l'hôtel là, allez réconcilier avec elle. Allez bien oui. Il dit déposer au fond là dans l'hôtel, allez réconcilier avec elle, ça veut dire pour retirer doute dans caisse pour retirer mauvaises intentions que la imaginer contre toi, qu'a fait le péché là, parce que on doit remener, on pas quitter le péché. Bon Dieu bénou, on avance. Je rappelle que le sujet ça, frère de ce minute. Comment qui capable de comprendre l'important sujet ça? Mais moi, dis-nous, la réconciliation,
Ce qui a fait un peu mon pas rentrer en dans l'évangile là, en dans le royaume là. Ce qui cause le divorce. Pour un rien, nous pas veut réconcilier à madame nous. Nous pas veut réconcilier avec mari nous. Puis nous dans l'évangile. Nous dans l'évangile. Pas qu'à faire ça, le renoncement de soi, non. Jésus-Christ renonçait à lui-même pour venir réconcilier le monde. Est-ce que vous voyez? C'est un renoncement de soi. Est-ce que vous voyez? C'est le problème dans ça. Le problème, c'est renoncer à vous-même pour descendre en à terre pour aller réconcilier avec vous. C'est parce que vous dites, je crois, moi-même, vous avez moi-même fait une fois dans la vie, vous avez réussi, mon docteur en même. Pas de belles cailles moins gagnées, pas de belles machines moins gagnées, ça est testé, là, comme on dit, c'est moi-même. Comme on va dire, ou pas renoncer à vous-même, non? Ou quoi, la tête ou trop, qui cause tout le monde trop bas, pour aller devant, pour aller demander le pardon, pour ça être fait. Parce que Jésus qui était trop ni, parce qu'on l'est, il descend sous terre. Il veut renoncer, il veut renoncer. Voyez-les, vous voyez à côté, des yeux fermés. Elle dit, semble Jésus, c'est des îles. L'homme est seul et pas mimoun. Semble Jésus, dans toute vie, moi, je semble Jésus. Elle dit, il est fini. Et il y a la caillou qui veut dire, ouais, il y a un problème à tout le monde, la caillou. Bon, je vais dire, mon Dieu, je vais tomber. Encore une fois, je vais tomber. Je vais tomber. Et puis, je vais tomber. Nous, on a fait
son décision qui dit que nous pas les réconciliations parce que nous pas cherché mon là à le 17 et nous me fait intéressant ça pas de réconciliation c'est un plus gros. Si on n'a plus de l'évangile, sous carré, mais mon cabadonne, mon sous-cabadonne, ça peut considérer. Pardonnez-moi. Nous recommençons pour la vie, pour la plus belle. Et parce qu'on parle, mais mon cabadonne, pardonnez-moi. Soutenez-moi, là, mon pardonne tout. Tout est même, tout est un vrai amour, c'est un chrétien nateur. Pour moi, même, vous pardonnez. De vous pardonnez, frère, vous l'avez bien. Oui, de vous pardonnez avec un cœur sincère, c'est frère et frère, nous, et spécialement, Marie avec madame qui est intimité, évangéliste, qui est intimité, c'est un problème terrible. Depuis madame avec Marie, par exemple, dit Marie avec madame. Depuis madame avec Marie par réconcilié, ou 95% de chance pour un petit monde. Non, comment il est prison, qui n'a pas gagné encore. Il est prison pour un petit monde. Ok, ça l'est. C'est délai quand on ne peut pas gagner. Parce que le petit monde, quand on a l'air de maman, il va dormir. Quand il va parler, on va monter le dormi. L'air de papa, il va dormir quand même, on va monter le dormi. Mais si nous devons réconcilier une défense seule, nous devons contrôler le monde, nous ne pas dire, ouais, réconciliation, nous devons nous faire des choses. Non, j'ai créé la réconciliation, c'est le même. Non! C'est un pivot de l'évangile. Oui, c'est agréable. Nous ne pouvons pas parler de l'examen seulement. Au moins, nous devons parler des questions d'émotion, sentiment, comme si pour prendre conscience, pour comprendre bien. Et ça qui a parlé là, ça a laissé elle-même. Premièrement, ça a laissé faire la croix pour faire réconciliation. Ça le fait. Elles ont vu comment souffrir pour bagaille ça. Ou même tout pour qu'on ait, de voir parler réconciliation, ou de souffrir souffri pour lui. Elles ont vu, si on ne peut pas accepter, ou obligé accepter lui. Parce qu'ils ont besoin de réconciliation, ont besoin de la paix. On voit. Ou marié avec l'aigle, ou mon petit avec l'aigle, ou pas bien maman, ou pas bien papa, ou pas bien avec frère. Et nous sommes seule famille. Mais nous étions bien avant. Avant, nous étions une relation entre nous-mêmes. Jésus-Christ, et comment dirais-je, a déjà une belle relation avec mon Dieu. C'est pour une réconciliation, le prophète. Si nous étions bien avant, qu'il y a un petit malentendu passé, nous entendons bien. Mais non! Et pas bien, non, évangéliste. Pendant la phase de réconciliation, il y a des choses qui sont laissées pour nous. Parce que nous connaissons immédiatement deux mondes pas bien. Et pensez-vous, il y a nourri, on sait les mauvais par nos pensées. Je vois ce que je dis là. C'est tellement nourri par nos pensées. Ça veut dire qu'il y a même la mort, il y a des Yo mande pou moun, ou man? Of course. Mwen toujou di sa, je le di, mari avec madame ki divorce, yo divorce, et puis autant de la Bible di, si yo, tout autant mari à la ou madame nan la, yo va ka marié, ki sa yo fè, yo na fè priye pou l'autre mouri. Ou man? Yo na fè priye pou l'autre mouri, pou yo même pou yo kal marié. Il y a trois conditions dans l'évangile là. Laissez pas de dire dans l'évangile là, c'est douce dans l'évangile. Amen. Pour accepter pour sauver. Ben, je lui dis, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, évangéliste. Est-ce que vous voulez? Réconciliation, ça, c'est un sujet qui fait un peu de couler, oui, dans l'évangile là. On se met dans moi à coucher sur moi et vous me conciliez avec lui. Amen. Amen. Et bien, nous chantons l'évangile là, douce.
Donc, on a une balouse. Il n'est pas pénible tout le monde, frère Oulé. Non, il n'est pas pénible, non. Parce que la Bible dit ça, oui. Il n'est pas pénible, non. Il dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Hein? Ça veut dire depuis, c'est tout pénible là où elle est là, parce qu'on ne peut pas voler la gueule dans les siens. Ou pas voler la gueule dans les siens, ou pas voler pénible, évangéliste. Amen. Parce qu'on ne peut pas faire un bout de pas, et ça le doit être pas attaché. Dans le bois, dans la racine, on ne peut pas faire rien. Oui, si ça ne m'a pas attaché avec ses plats, c'est bon. Il n'a pas capoté aucun fruit. Vous voyez? Non, Jean chapitre 15, là, vous voyez? Oui. Pendant ce sujet, ça, on a débattu depuis quelques mois. Tout ça, que la grande commission. C'est de belles sujets que nous avons entrepris là-dedans, on a parlé. La présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. C'est le pour diriger. L'amour, mon Dieu, qui est pour l'amour qu'on a pour le peuple, on va le chercher là. Il faut qu'on cultive l'amour ça. Mais pourquoi la rue pour réconcilier le monde avec mon Dieu? Même pour réconcilier avec tête d'abord. Alors, tout le monde me dit, pour réconcilier avec tête d'abord. Pour réconcilier avec tête, chaque matin levé pour un yon bien mauvais, ou bien un mauvais, ou tout mauvais, tout le monde s'en va dire, ou bien un mauvais. Chrétien est mauvaise humeur. Pauvre chrétien est mauvaise humeur. Pour réconcilier avec peut-être d'abord, pour réconcilier avec mon Dieu Bokoto. Après, pour réconcilier avec mon Dieu, vous avez dit là. Pour réconcilier avec peut-être d'abord, hein? Pour réconcilier avec mon Dieu Bokoto, après, pour réconcilier avec mon Dieu. Je suis le salaire personnel. Je suis le seul qui témoigne pour moi. C'est à faire mon cas réconcilié. I don't care about l'autre. Il n'a même pas été à terre, pas terminé. Quand je montre à soi la même ça, que n'a pas étudié avant là, si on même, tant qu'on passe à l'autre, mais c'est ça, cacher le boulot. Là, on peut dire qu'on va à l'église là. Quand on a un peu de temps, ouais parce que toi là ma pique ca été amen bon chercher merci à vous nous pouvons capable écrire non Matthieu chapitre 5 vous comprenez Matthieu chapitre 5 nous allons venir là où Matthieu chapitre 5, évangéliste, verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Nous on est pas là avec verset. Pour pas dire son verset parce qu'on est déjà dans proche. Il a dit, bah nous, il va de nous qui bosse, qui bosse nous venir. Matthieu 25, verset 23 à 24. Matthieu 5. Et de ce donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. On a parlé de frère, et pas frère femme, non, et pas frère et idéologue et de biologue, non. Il y a bien de tout. Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Vous n'avez pas dit, mais l'évangéliste qui va nous dire que chaque là, on fait des ventes, elle allait me donner vos lèvres. Non, on va dire que ça va dire, mais l'évangéliste, si madame Guido, on fait des ventes, elle allait me donner.
Il nous sim qu'on est bon monde. Et pas moi, nous pas bien à faire une. C'est pas moi, non. Nous avons payé un boss, ou bien un train, ou bien un avion. Mais bien, il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est un bal. Nous avons maintenant fait un bagage avec Félix. Je suis venu me parler. Et je suis venu chaque jour. Je suis capable de faire un peu de choses. Je suis venu me parler. Je suis venu me parler. Et pour mon deal. Et puis, il est tout capé sur moi. Il est tout capé sur moi. Et vous, dans ma biophone, il dit moi, al tourner, al chercher au monde que je ne connais pas bien avec. Bon, quand on a go, je vais vous faire là. Mal réfléchi, qui est-ce moi pendant ce moment-là, que de quand on l'aime très souvent, moi, par il est encore. Et puis, mal tombé sur frère ou l'est, je me suis dit, je me suis dit, pour ça. Oh, avec moi, l'eau. Ou bien mon équipe, mais mon ferme téléphone dans son moi. Téléphone dans ferme pour continuer. Téléphone dans le carrément fermé. Et puis moi-même, je suis téléphone dans ferme, mal suis en train de faire mon business. Je suis en train de faire mon business. Parce que je suis en train de faire mon business. Parce que je suis en téléphone dans le film. Mais l'évangile là, oui. Pour pas gagné, au contraire, laisse au plus grand, pas gagné qu'à sortir là. Amen. Laisse au plus grand. Bon, l'homme là, il y a, ou pas conciliant. L'homme là, il y a, il y a un peu de condo. Il y a des évangélistes, il y a des évangélistes, il y a des évangélistes. On va faire un peu de temps, ou des bagages, qu'à pas mal à faire Daniel. Il y a là, il y a des bizarres. Il y a des bons, pas l'homme là, il y a, oui. Ou tombe sur le monde, pour ne pas les mal devant le flamme. Bon, évangéliste, on connaît Saint-Esprit là, je marche avec vous tout. Il me dit, quand on va parler, mon nom de bagaille là, puis Saint-Esprit dit, bon, ou pas, mais on fait, oui. C'est à qui on saute, mais on va pas évangéliser encore. Ou en c'est la fin de la parler de bagages, ça qui me dit c'est une préparation à faire, à nous préparer où, comment préparer où, aider et pile nous même qui là même tout dit nous pas battre nos mains, vas-y moi même il même et tout, donc pile et bagages nous fait, elle veut pas être sous nous, et puis nous pas parler bagages, et pendant la parler là, et puis la vie sous que nous, on dit à bouche ouverte c'est pas sorti c'est vous. Et parmi eux que moi dis nous carrément que réconciliation est un point fort de l'évangile. Dans la mesure que nous-mêmes nous avons marché à chercher un homme pour bander le 17 septembre, nous-mêmes d'abord nous supposons réconcilier, d'abord avec mon Dieu, avec tête nous, avec entourage nous. Laisse la plus légère dans la rue. Nous ne pouvons pas cause aucun mal, aucun danger pour personne qui n'en vous plaît. Et ça, c'est un homme capable d'exhorter nous avant que nous quittions nous. On nous sait clair avec nous. Nous ne pas dire, OK, et nous supposons bon à 100%, mais il y a des petits bagailles. Nous avons arrangé toujours pendant ce temps-là, faire ce travail-là. De mon volonté,
faut que volonté ou bon Dieu de pouvoir qu'a faire. Oui, volonté de la caroulier. C'est pas facile pour le concilier avec le monde. C'est pas facile, non pas de l'honneur. Mais de pour qu'il volonté pour faire le bon Dieu faire avion. Et ça veut dire, mais de vous mettre amour pour les CF, premier bagage vous venez de dire, c'est amour pour les CF, ça les CF m'a dit pour me faire. Et nous, tout ça, ce n'est pas facile, non? Mais qu'on y a, est-ce que vous-même vous aimez les CF? C'est ça seulement vous les avez connus. Vous voyez? Une fois que vous aimez les CF, qu'on y a ou pas l'ouest, vous me dites, ça, bagage, ça, son petit bagage libre. Vous voyez? Même pas vos volontés, mais pas ce qu'on a rêvé, mon nom, pas vos volontés, non? Pas vos volontés. Parce que, pas oublier que nous n'avons combat. Chrétiens n'ont combat. La goumé avec une force que le pas ouais, une force invisible. La goumé, faut qu'à traiter contre Dieu. C'est très important. Mais c'est ça que fait évangéliste. Et les n'a pas la fait combat ça. Chrétien, chaque jour, il a besoin de déterminer qui faiblesse lui, qui sa faiblesse lui. Parce que l'on a bataille, évangéliste, il faut qu'on faiblesse ou pour qu'on bataille. Est-ce que vous faut qu'on faiblesse ou amener comme bataille, il faut chercher qu'on faiblesse et qu'on s'attend au village chercher qu'on est qui faiblesse ennemi ou même faut qu'on faiblesse pour d'abord. C'est ça que fait pour qu'on bien bataille. Nous, quand on dit du Sir Albert, nous même dans l'aide du monde du Val, l'évangéliste, moi, t'as fait pression sur le monde pour le décaler, convertir. Franchement, je dit Sir Albert là, je ne t'as fait pression sur le monde, je ne t'as fait pression sur le mauvais esprit, sur le monde, parce que nous, mon Dieu béni nous. Ce mauvais esprit a qui montait dans l'immédiat qui veut leur parler parole bon Dieu mon arrogant mon très ceci mon très cela on peut parler avec et sans fin avec la chair là on parle avec mauvais esprit sur mon est embouté il pas veut entendre parole bon Dieu il pas veut entendre parole bon Dieu c'est, parce que mon c'est un bel plaisir mon d'acheter pas frère on n'a pas dit de l'évangile, c'est bel plaisir. Mais depuis pas on n'est pas détaillé, moi, ce mauvais esprit, pas sur le point, il y a un peu. Oui, parce que il y a des mauvais qui et au même, le mauvais esprit caché. Oui, invisible, il va cacher, non, il est invisible, le mauvais esprit, là. Ok. Ça veut dire que pour montrer le frère, non, les conseillers sont là, où t'as fait faire, oui, mais où vont mauvais esprit de nos lois faire. Souffrir, c'est parce que mon apôtre s'appelle. Et pour même, moi, j'y, selon sa mauvaise esprit à douleur, aucun métier à la ganache. N'importe le n'a fait, nous avons dit tout ça avant, pour nous montrer ou même, l'on voulait pour une décision, ou qu'on mauvais esprit qui avait un quoi devant. N'a fait tout ça avant, n'importe le pour nous montrer que l'on voulait pour une décision. T'as bon pour avant de voir que vos femmes t'avaient fait bien, mais plus de mal que le bien. Et pas les mêmes, non pas tous les griffes. Bon, nous remercions, nous saluons, nous attendons toutes, même les orphelins à New York avec nous, mais maintenant, nous le 17, sous qu'à sortir, coton et à voir le camp, et même nos marquettes, ou bien dans la rue, pour dire, mon bon Dieu, appelez, pas dit, c'est parce qu'on parle avec 17, qu'il ne faut pas faire. Le 17, nous t'as souhaité, qui était Florida, voilà, mais quand on était là, je dis à d'ici pas faire une campagne d'évangélisation, ou même surtout pas trop, ou surtout pas plus mal que cela, ou déjà se lever, ou aller camper pour un côté, ou aller dire mon hello, bonjour, prenez, bonjour, même en faire pendant 15 minutes, au moins, on a senti que le son ça que nous avons fait dans le réseau, et ok, ou tu comprends ni. Ou te ferme. Et parce que ou pas dans New York, pour dire, oh, si nous sommes dans New York, dans le samedi 17, ça va avec nous? Non. Ou qu'à faire sauver. Le 17, maintenant, c'est tout. Du pays, du continent, groupe que moi, nous prenons étude là, les grands campagnes, ils vont le faire. Je ne pas là, c'est vrai, mais si mon campé là, me dit, hello, bon, comment nous y est? Bon Dieu, abtenez, bon Dieu, abtenez, on ne sait jamais. Ou faire, ou faire partie sur pour là. Et c'est ça la main de tout le monde qui fait partie de 17. Le 17 septembre. Dans le matin, levez, priez pour nous. Nous allons la rue. Nous allons aborder. Nous allons entrer dans le camp diable.
ou même tout, l'on fin prier, tout sont tout très bien, à faire même une 10 minutes devant Maria. Soit dans la maquette, soit dans l'onderie, soit dans le restaurant, quand on côtoie les papes, ou un monde dans le monde, et l'eau, ou un monde qui a venu, ou fait la paix de Dieu avec mon Dieu, il dit oui, il dit non, ou dit mon Dieu béni. Donc on est ou même ou fait devoir, et puis cet esprit a fait ta voilà. Que mon Dieu béni. Et nous remercions tout à fait, c'est bien aimé nous qui était là avec moi soir et qui était branché. Et pour ça, tout nous remercions tout le temps et fidèles internautes nous et qui t'attendent des émissions. Ça. Et nous m'avons dit à ce que le Seigneur lui-même est capable de permettre des choses qu'on n'est pas capable de faire auparavant. Pour finir dans des émissions, ou la gouverne de l'Essayer, on est capable de faire. Et bien, nous faisons place avec Frère Justin qui va prier pour nous à la gloire de Dieu. Sans Frère Justin déjà quitté nous, à nous couper tête nous. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui est dans le ciel là. Nous bénissons, Seigneur, au nous rendre gloire à nous exalter et nous remercions, Seigneur Dieu, pour amour infini. Pour bonté ou fidélité ou envers nous-mêmes. Oh, merci Seigneur Dieu de ce côté qui va prendre un moment ça, un moment agréable. Écoutez, nous t'a partagé et parole, nous t'a savouré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ensemble, parole. Seigneur, et comme ça, Misla et David dans l'idée, et je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur, permette-nous de serrer parole ça dans le cœur. Nous. Et pour nous pas pécher contre tout. Et pour nous, et Seigneur, permettre à ce que nous puissions accomplir la mission que nous avons voué pour nous accomplir. Parce que même les gens ont dit, et papa a été voué, et qu'on s'est nous-mêmes voué nous tous. Permettre que chaque monde qui reconnaît tout comme étant Seigneur et Sauveur, nous ait ça dans la tête. Puis nous connaissons la mission pour aller chercher dans le Dieu, revient à chaque monde. C'est pas ni aux pasteurs, ni aux diacres, aux évangélistes, aux docteurs, bishop, Jean-Baptiste, il revient avec chaque chrétien. Aidez-nous, Père Saint, et que le Saint-Esprit capable et animer nous, remplir nous, et pour nous capables de faire ce travail. Ça. Seigneur, et d'un côté, chaque monde qui est là, il va dormir, nous allons permettre, Seigneur Dieu, capable entourer par devant. Et par derrière, et qui en joue capable de camper autour d'eux-mêmes pour suivre mon abdomen, pour qu'il y ait ni, pas venir faire peur, pour qu'il y ait ni, pas venir faire menace, Seigneur, couvrir ou garder avec eux, Seigneur. Et nous lever aussi chaque monde qui a besoin quelconque, Seigneur. Nous allons faire une intervention pour les siens qui sont malades parmi nous-mêmes, nous demandons personne, dans le nom de Jésus, à ce moment-là, nous allons toucher côté eux-mêmes. Seigneur, car où nous connaissons ce bon Dieu de miséricorde, ce bon Dieu d'amour, bah, on touche, Seigneur. Afin qu'il soit capable de lever le même matin, et puis il soit capable de témoigner, ou qu'il soit capable de dire, et pendant la prière, ta fête là, il soit senti toucher ça. Seigneur, nous l'a dit tout le temps, mais on perd. Nous prions comme ça, nous ne prions pas que le monde qui vient, mais nous prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. On va prononcer les mots de bénédiction. Matthieu, chapitre, Jean, chapitre 4, et verset 34, jusqu'au verset 36. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs et qui déjà bien mûrs pour la moisson. Celui qui moissonne recevra un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Parole du Seigneur.
Maintenant que la paix et la grâce sont de notre Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la douce intime communion du Saint-Esprit, soyez demeure dans les cœurs de chacun de nous, dès maintenant et éternellement. Et avec la paix, bon Dieu bénis-nous. Bénis. Amen.